Good morgen, allez, dans le jour aujourd'hui, je suis à Ramiona, ben Khada Peggy, ben Esther Nissim, ben Aouda Solvan, je suis à Fatoud, ben Claudine, ben Nassim, ben Masoudi, Efrat, Mayan, ben la Betor, Chakol Israël, si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechette de Yot, Prigida Let Mishnah Yudalef. Mi Shenadar Nezirut Meruba, Veishlim Neziruto, Vachakach Bala Aretz, Bet Shamay Omrim Nazir Shloshim Yom, ou Bet Hilal Omrim Nazir Batechila. מי שהיו שתי קטעי עדים מעידות אותו, אלו מעידין שנדר שתיים, ואלו מעידין שנדר חמש. בית שם אומרים, נחלקה עדות ואין כאן נזירות, ובית הלל אומרים, יש בכלל חמש שתיים, שיהיה נזיר שתיים. On parle dans notre משנה du נזיר, une מסכת נזיר, dans fin de סדר, presque à la fin, de סדר נשים. Là-bas, on parle du נזיר, celui qui prend sur lui de prendre du recul sur les plaisirs du monde, de se sanctifier. En l'occurrence, il va se retirer, il ne va plus boire de vin, il ne va pas s'impurifier pour les morts, il va aussi ne plus se couper les cheveux pendant une certaine durée, en général de 30 jours, Stam Nezirut Shloshim Yom. Quelqu'un qui dit que je vais être nazir, on va lui dire pendant 30 jours tu dois te prendre du recul. Maintenant il a la possibilité aussi de dire je vais être nazir pendant 90 jours. Prendre sur moi 3 Nezirut. 5 Nezirut même si je veux, d'accord? Le sujet de notre Mishnah maintenant va être Mi Shenadar Nezirut Meruba. Celui qui a pris sur lui de plusieurs... il a pris sur lui un vœu de Nazir, de devenir Nazir. Meruba, de plusieurs, soit pas une seule Nezirut. Il a pris sur lui qui va être 5 Nezirut pendant 150 jours. Il va plus boire de vin, ne plus s'impurifier pour les morts. Et Veishlim Neziruto... Et il a accompli son devoir, v'achar kach balaretz. C'est seulement après il est venu en Eretz Israël. Soit, on déduit en fait qu'il était en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, il y a une Touma décrétée par Chachamim, que Toumat Eretz Ha'amim, la terre de Chutz Laaretz, de diaspora, est rend impure pour des raisons, parce que là-bas ils font pas assez attention aux morts, c'est possible qu'en fait... Il y a eu des morts, ils se sont mis à labourer un champ où il y avait dedans en fait un cercueil qui était un mort qui était enterré. Donc du coup, on va se retrouver avec des... Chachamim ont imposé toute la terre de Chutz Laaretz rend impure. De ce fait, il est impossible d'être nazir en Chutz Laaretz, en théorie. C'est-à-dire, si je suis en France, même au Liban, proche d'Israël, en Égypte, peu importe, puisque Chachamim ont décrété une touma, une impureté sur la terre, de ce fait... Si je prends sur moi de devenir nazir pendant 30 jours, pendant 100 jours même, alors j'aurai un problème, c'est que je ne pourrai jamais devenir un vrai nazir, puisque je vais forcément devenir impur. Le nazir doit rester pur pendant 30 jours. S'il devient impur, il doit porter des corbanates et recommencer toute sa naziroute. Maintenant, malgré tout, ce n'est un interdit que des rabbanan. Chachamim ont décrété. Donc même en Chutz Laaretz, en théorie, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a forcément un mort sous mes pieds. De ce fait... Peut-être qu'il va réussir, à tenir sa Nezirut. Alors maintenant, ça se passe comme ça. C'est rapporté comme ça dans la Rambam d'ailleurs. Lorsque quelqu'un prend sur lui une Nezirut en Chutz Laaretz, il prend sur lui de devenir nazir, même pendant 30 jours, on va lui demander « Viens en Eretz Israël pour accomplir ton devoir. » Ce qui se passe, c'est que lui, il a pris sur lui de faire 5 Nezirut en Chutz Laaretz. Alors là, et il les a gardés, il les a préservés. Donc il a tenu son vœu pendant 150 jours, il n'a pas mangé de vin... Il s'est laissé pousser les cheveux, il ne s'est pas impurifié pour les morts, il a tenu son engagement, son vœu. Alors, Bet Shammai Omrim, Nazir Shloshim Yom. Bet Shammai va dire, malgré tout, on va t'imposer de venir en Eretz Israël et d'accomplir ta mitzvah de Nezirut, mais juste pendant 30 jours uniquement. C'est-à-dire, ce que tu as accompli en Eretz Israël, a posteriori, en Chutz Laaretz, a posteriori, il est validé, mais malgré tout, il faut quand même que tu viennes en Eretz Israël pendant 30 jours pour accomplir une vraie Nezirut, glat la méhadrine, parfaitement cachère. Tandis que Bet Hillel Omrim, Nazir Batechila. Non. Ce que tu as fait en Israël, c'était peut-être intéressant, mais tu dois revenir en Eretz Israël et accomplir toute ta Nezirut, toute la période requise que tu t'es imposée sur toi. Soit tu avais pris 150 jours de Nezirut, et bien tu viens en Israël pendant 150 jours et tu resteras Nazir pendant 150 jours. D'accord ? C'est que des takanot des rabbanan, il me semble. Ouais, je ne l'ai pas vu assez écrit. Je ne connais pas tellement ma sérette nazie, en fait. Donc, je fais ce que j'ai compris. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah, qui continue toujours à parler du nazir. Il y avait un nazir, en fait, qui avait contre lui
deux groupes de témoins qui témoignaient. Elo Meidin Shenadar Shtaim, les uns témoignent qu'il a pris sur lui de faire deux Nezirut, soit 60 jours, Velo Meidin Shenadar Khamesh, et les autres témoignent contre lui qu'il a pris sur lui de faire 5 Nezirut, 5 périodes de Nazir, soit 150 jours. D'accord ? Donc tous les deux, et moi bien sûr, moi je dis que je dois rien du tout, j'ai jamais dit que j'allais être Nazir, mais venez dire, mais bien sûr, t'avais dit que t'allais prendre sur toi deux Nezirut. Et les autres sont là et les contredisent, non, quand on était dans à telle occasion, il avait dit qu'il allait prendre 5 Nezirut. Question. Donc moi, je dis que je dois rien faire. Malgré tout, il y a des témoins qui témoignent contre moi, je dois les écouter. Seulement, les témoins qui témoignent contre moi, ils se contredisent. Est-ce que je veux dire que, ben, si toi tu dis qu'il y a 2, donc c'est pas 5, et toi tu dis qu'il y a 5 et c'est pas 2, donc en fait on peut croire personne. De ce fait, on croit personne, j'ai pas de témoins contre moi. C'est ce qu'on appelle une akrasha. Dès qu'il y a des témoins qui se contredisent, qui sont makrishim, zedze, alors il s'avère que maintenant, j'ai plus aucun témoignage contre moi. Telle est la vie de Beit Shammai. Beit Shammai omrim nechleka edut ve'en kan nezirut. Il s'avère que chaque témoignage a été opposé, contré contre quelqu'un, et de ce fait, en kan nezirut, je n'ai aucun devoir de préserver aucune nezirut, aucun engagement de nazir pendant aucune période. Ou Beit Hillel omrim, tandis que Beit Hillel vont me dire non, yesh bichlal chamesh taim, il y a. Lorsque les uns disent 5, ça implique non seulement 2, mais même 5. Donc en fait, il s'avère que pour les deux, tous les deux groupes de témoins sont d'accord que je dois au moins faire 2. La seule discussion entre eux, la polémique, sur laquelle ils se contredisent, c'est de savoir est-ce que j'ai dit plus que 2 ou non. Mais en tout cas, les deux, c'est le dénominateur commun entre les deux groupes que je suis certainement khayav. De ce fait, je dois au moins préserver ces 2 nezirouyot. Si ça vous intéresse, l'Agma dans Sanhedrin d'Afayoumid, il y a 2 semaines à peu près, quoi. On a justement étudié ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque, sur une même scène, tu m'as prêté de l'argent, des témoins disent que tu m'as prêté 500 shekels, d'autres témoins disent que tu m'as prêté 1000 shekels. Est-ce qu'on va dire, bon, tu me dois kagelari, tu me dois au minimum, je te dois au minimum 500. Alors, c'est sur ça. Là, cette fois-ci, l'Agma explique dans Sanhedrin que cette fois-ci, puisqu'il y a une deuxième partie engagée, là, c'est sûr qu'on va dire que yesh bichlal mataim mané. Il y a parmi 200, lorsque je dis que je dois 200, que quelqu'un doit 200, donc tu affirmes que tu y dois 100 et même 100. Donc sur le 100 supplémentaire, il y a une contradiction. Mais en tout cas, sur le premier 100, tout le monde est reconnu. Même Beit Shammai sera modé, tandis que même Beit Shammai reconnaîtra sa porte ici dans le Tifrat Israël. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.